Bonjour les oursons mignons, bienvenue à Caribou. Je me présente, je m'appelle Anne-Marie et ça va être moi votre animatrice aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer au jeu Cherche et trouve, on va venir travailler notre sens de l'observation. Mais avant tout, on va commencer avec notre chanson. Est-ce que vous êtes prêts? Excellent! On se lève debout! Ourson mignon, viens jouer avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde de Caribou. Ourson mignon, viens jouer avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde de Caribou. Bravo les champions, bravo les amis. Excellent les oursons, alors maintenant c'est l'heure de se réchauffer. Je vais te demander de te coucher sur le ventre. On se couche sur le ventre dans le salon. On fait dodo. Oh! Le soleil se lève, on se réveille, on s'étire. On étire les bras, on étire. Excellent les champions, on s'assoit. On prend les mains, on colle. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Les champions, on a les mains qui sont collées à cause du miel. On frotte, on frotte, on enlève le miel. Oh là 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 là, il y en a partout. On enlève le miel comme ça. Excellent les champions, on enlève le miel des bras. On enlève le miel des jambes. On enlève le miel des pieds. On bouge les pieds. Excellent, les champions. On va venir pointer les orteils. On lève. On pointe. On lève. On pointe. On lève. Excellent, les champions. On va venir plier les genoux. On déplie. On plie. On déplie. On plie. On déplie. Excellent. On va lever les mains en haut, en haut. On essaye d'aller toucher les orteils. Excellent, les champions. Est-ce que vous êtes prêts à aller chercher à manger? Oui, on fait oui avec la tête. Oui, oui. Est-ce qu'on va aller chercher du miel? Oh, non, maman, papa, non, on va pas chercher du miel parce que ça colle sur les doigts. Alors, on va aller chercher des fruits. On se lève debout. Excellent. Alors, on va venir ouvrir une patte d'ourson. On vient ouvrir l'autre patte d'ourson, grand, grand, grand. On lève les mains, on va venir les déposer par terre. Et c'est parti, les oursons. On avance, let's go. On va chercher à manger. Excellent, on se lève. On commence à courir, let's go, on court. On court, on va chercher à manger. Attention, stop, statue. Oh, on s'est trompé de direction, c'était pas par là la nourriture. On va devoir reculer, on recule, les oursons, on recule. Maman, papa, moi j'ai pas beaucoup d'espace, mais si vous avez de l'espace à la maison, on prend de la place, on recule, on recule. Attention, on est revenu dans le bon chemin, on recommence à courir. C'est parti, on court. On court. Attention, stop, statue. On regarde devant nous. Oh! Il y a une grosse rivière avec des gros rochers. Comment on va faire pour traverser, aller chercher à manger? On colle les pieds et on va sauter sur les gros rochers. On saute. 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 On saute loin, les amis. On saute. 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 Excellent. On recommence à courir. C'est parti. On court. On court. On est bientôt arrivé. Attention. Stop. Statue, on regarde devant nous. Oh, qu'est-ce qui se passe? On est sur le bord d'une falaise. Alors les amis, on se colle sur la falaise. On ouvre les bras. On va venir faire des pas de côté. On ouvre, on ferme. On peut aller de l'autre côté aussi. Excellent les champions. On recommence à courir. C'est parti, on est bientôt arrivé. On court, on court. On court. Attention. Stop! Statue! On regarde devant nous. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gros arbres qui sont tombés, qui nous empêchent d'aller chercher à manger. Comment on va faire? Alors, on va se coucher sur le ventre. On se couche sur le ventre et on va venir ramper. On rampe par en avant. Let's go, les champions! On rampe! On rampe! Let's go, let's go! Moi, j'ai pas beaucoup d'espace, mais on rampe! On rampe! Let's go, les champions! Maintenant, on va venir pousser. On pousse! On recule, on recule, on pousse, on pousse.
Excellent, les champions. On se lève. On recommence à courir. Let's go, on court. On court. Attention. Stop. Statue. On regarde en haut dans les arbres. Les champions, on est arrivés. Il y a plein de fruits, mais ils sont trop hauts. Qu'est-ce qu'on va faire pour aller les chercher? On va venir se mettre sur la pointe des orteils. On va s'étirer en haut, en haut. On va chercher les fruits. On les dépose. Encore une fois, on va chercher les fruits. On les dépose. On cherche les fruits en haut, en haut. On les dépose. Maintenant, il y a d'autres fruits, mais ils sont encore plus hauts. Alors, on saute. On saute. On va chercher les fruits. On saute. On dépose. Saute. On dépose. Saute. On dépose. Encore une fois, on saute. On dépose. Excellent. Les champions, on peut s'asseoir. On peut manger les fruits. On en donne à maman. On en donne à papa. On partage. Excellent, les champions. Alors, bravo les amis. On peut les applaudir. Bravo les champions. Alors les oursons, c'est l'heure de notre activité. Aujourd'hui, on va jouer à cherche-trouve. Dans quelques instants, je vais partir et revenir et il y aura quelque chose sur moi qui aura changé. Et ce sera à toi de découvrir qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est mes souliers? Est-ce que c'est mes pantalons? Mon chandail? Qu'est-ce que tu me dis? Mes cheveux? Ah ben oui! Tu as raison, c'est mes cheveux! T'es donc bien bon! Excellent! Alors maintenant, je vais repartir, je vais revenir et tu me diras qu'est-ce qui a changé donc. OK? À tout de suite! Tadam! Alors, comment me trouves-tu? Qu'est-ce que tu penses qui a changé? Est-ce que c'est mon chandail? Non, c'est le même chandail caribou. Mes chaussures? Non, c'est les mêmes. Mes cheveux? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qui a changé? Ah oh, ben oui, t'as raison, c'est ma jupe! Tu es vraiment bon. Alors, maintenant je vais partir et revenir. Donne-moi 2 secondes. Reste là. Tadam! Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu vois quelque chose? On commence par en haut, ma tête? Non. Mes cheveux? C'est pareil. Est-ce que j'ai un chapeau? Non. OK. Mon chandail? C'est le même. Oui. Mes pantalons? Ah, pareil. Oui, tu as raison. Et mes chaussures? Est-ce que ça l'a changé? Ah? Non, tu as raison. C'est pareil. Qu'est-ce qui a changé alors? Hein? Tu me dis quelque chose? Ah, ben oui, tu as raison! J'ai une veste! Bravo! Super! Alors, reste là. Je reviens tout de suite avec notre prochain changement. Pam, 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 pam. Voilà! Alors, les changements. On regarde les souliers. Non, c'est les mêmes. Pantalon? Ah, c'est les mêmes. Notre chandail? Ah, c'est les mêmes. Qu'est-ce que tu penses qui a changé? Ah! Ben oui! T'as raison! C'est mes lunettes! Bravo, champion! Excellent! Alors, reste là, je reviens avec notre dernier changement. Pam, param, 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 pam! Alors, les oursons mignons, qu'est-ce qui a changé sur moi? Est-ce que c'est mes cheveux? Non! J'ai pas de cheveux jaunes, tu as raison. Mon chandail? Non, c'est le même. Mes pantalons? Identiques. Mes chaussures? Ben oui, t'as raison. C'est mes chaussures. Tu as un très bon sens de l'observation. Bravo les amis. Alors, c'est ce qui conclut notre activité de cherche-trouve. Alors maintenant, les oursons, c'est l'heure de notre routine de fin. Maman, papa, toujours après une grosse activité, on essaye de terminer avec une petite relaxation. Pour ce faire, on va utiliser une balle. Alors, on peut utiliser une balle avec des textures. Sinon, une balle normale, c'est bien parfait. Alors également, je vais vous inviter à venir coucher votre enfant sur un tapis. On peut les coucher aussi sur un sofa, sur un lit. C'est vraiment pour votre confort. Également, on va venir essayer d'abaisser la luminosité de la chambre pour essayer d'avoir un milieu plus propice à la relaxation.
Alors, on va prendre notre balle, venir la placer sur le dos de l'enfant et venir leur faire un petit massage. On peut faire des mouvements circulaires. On va aller sur les bras. Sur la main. On va aller sur l'autre bras. Sur la main. On peut faire un petit retour sur le dos. Excellent. Alors maintenant, pour la suite, je vais vous inviter à inverser les rôles. Alors, maman, papa, c'est à vous maintenant de vous coucher sur le ventre et c'est au tour des petits oursons de venir vous faire un petit massage. Alors, les amis, je vous invite à prendre la balle. Maman, papa, ils sont couchés. On va venir mettre la balle sur le dos de maman ou de papa et on va venir faire un petit mouvement avec la balle. On essaye de venir tourner la main sur la balle. On essaye d'aller sur les épaules. On peut aller dans le milieu du dos. On peut aller dans le bas du dos. Sur les bras. Sur l'autre bras. Et voilà. Alors, c'est ce qui termine notre activité d'aujourd'hui. Merci les oursons, merci maman, merci papa et au plaisir de vous revoir.